Ah, ça y est, il a trouvé la tétine qui était pleine, celle-là. Et la première est vide. Il faut trouver une autre tétine. Ouais, c'est celle d'après. Non. Il revient à la première. Mais elle est vide, celle-ci, mon coco. Bah oui, ma mère. Allez, maintenant, la maman, elle lèche la caillette. Voilà, ça, c'est pour la digestion du veau. Ça aide à la digestion du lait dans la caillette. Voilà, comme c'est bien fait. Hein, c'est mieux fait que les machines à allaiter. Quand même, une vraie vache qui allaite son petit. Bon, la nature est bien faite. Ouais, et puis on essuie la queue. Ben oui. Voilà, on fait la toilette. Ça, c'est sûr que la machine à allaitement ne le fait pas non plus. Voilà, on fait la toilette. Mais il n'a encore pas fait son premier caca, qu'on appelle le muconium. Il n'a encore pas fait. Voilà, lui stimuler la queue, ça peut l'aider. Je ne sais pas si ça vient. Encore un peu tôt, voilà, il faut le stimuler un peu, lèche un peu. Ça peut aider. Ouais. Voilà, il est à la deuxième tétine. Oui, t'es une mémère. Giga. Voilà, qui a fait un beau mâle. Ouais, vous voyez le mâle, hein, bien sûr. On ne peut pas se tromper. Oui, ma mère. Oui, t'es belle. Bah oui. Oui. Oui, tu t'occupes, tu surveilles ton ptiot. Voilà, bah oui. T'es maternelle. Voilà, c'est bien. Ça, c'est. Ça va bien se passer, évidemment. Une vache très maternelle. Voilà, le veau qui naît tout seul. Et qui prend la tétine tout seul, voilà. Ça, c'est ce qui peut se passer de mieux pour l'éleveur. Ça m'étonnerait qu'il ait diarrhée par derrière. Tout va se passer bien, là, je pense. Bon, allez, on coupe.